ça qu'on va permettre aussi aux entrepreneurs qui seront acrobates de renseigner eux-mêmes des données, parce que s'ils appellent, nous, on ne peut pas voir les appels qu'ils vont faire, ou autre, par exemple. Bonjour Frédéric Ravel. Bonjour. Alors vous êtes leader ici en Indre-et-Loire du club des entreprises s'engage. Alors je suis co-leader du club des entreprises s'engage puisque nous avons repris l'animation de ce club-là avec Benoît Pontrouet. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste cette démarche ? Alors cette démarche c'est un club déjà, donc c'est essentiellement un réseau d'entreprises ou d'acteurs qui s'engagent sur l'insertion globalement dans leur activité. Alors c'est une démarche qui a été lancée par en Indre-et-Loire par la DDETS, hein, qui est le bras armé de la préfète, et qui a demandé aux entreprises, qui ont demandé s'il y avait des entreprises qui voulaient s'engager dans cette démarche dans le cadre du plan de relance français. Voilà. D'accord. Donc en fait ça se conjugue dans le département, mais c'est un plan national. Donc c'est un dispositif national qui a une déclinaison dans chaque département et en Indre-et-Loire. Alors il s'est appelé il y a un an maintenant 10 000 entreprises inclusives. Maintenant ça a changé de nom, le dispositif a un petit peu évolué. On a repris après, en post-Covid, toute l'animation du club qui s'était un peu éteinte, évidemment. On a commencé à une dizaine d'entreprises, puis maintenant on est une trentaine et puis on espère comme ça essayer de fédérer un certain nombre d'entreprises pour partager des expériences sur l'inclusion, comme on le fait aujourd'hui au HQ par exemple. Voilà, donc tous les moyens sont bons pour se mettre en réseau, pour échanger, pour faire connaître les dispositifs qui sont proposés par l'État aussi, qui sont très nombreux. On essaye de proposer tout ça aux têtes de réseau des entreprises aussi. Voilà, donc c'est une animation au niveau de l'Indre-et-Loire pour favoriser l'inclusion. Et vous-même, vous êtes représentant? Alors moi, je représente la centrale nucléaire de Chinon, EDF, donc producteur. Et bon, l'insertion pour un groupe comme EDF, c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN. On a un accord mondial RSE. Voilà, donc c'est des pratiques qu'on a dans nos usages, dans nos manières de recruter, d'acheter, etc., etc., qu'on partage. Et puis on a aussi des marges de progrès comme tout le monde. Bonsoir Gilles Coquemand. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise qui s'appelle Ensemble. Alors quelle est votre activité ? Alors la restauration collective. Donc moi je suis directeur de la cuisine centrale d'Amboise qui fait partie du groupe Ensemble, qui lui-même fait partie du groupe Elior. Très bien. Et alors aujourd'hui, ce soir, là, vous faisiez partie de cette réunion du club des entreprises s'engagent. Et donc, voilà. En quoi ça consiste chez Ensemble ? Alors, ça fait partie intégrante du plan RSE, l'inclusion, qui est une des parties de notre plan RSE, et pour laquelle, moi, je suis assez engagé sur tout ce qui est l'insertion des travailleurs handicapés et des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, évidemment, dans les cuisines, dans la restauration d'une manière générale, est-ce que c'est un milieu qui est particulièrement propice à des démarches d'insertion ? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on a différents métiers. Hein, ça va du chauffeur-livreur au plongeur, au magasinier, au cuisinier, au conditionnement. On a toutes sortes de métiers et on tend à engager le plus possible, enfin, tant que faire se peut, des travailleurs handicapés ou des gens éloignés de l'emploi, et donc, ayant les qualités, les qualifications requises pour les postes. Pour les postes, évidemment. Bien sûr. Donc, je suis Frédéric Nicolas, je m'occupe des relations avec les élus hein, sur l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Et donc, Orange présent, qui a rejoint le club des entreprises, s'engage en Indre-et-Loire. Je dirais que c'est naturel. Ça rentre dans un axe stratégique d'Orange. Dans le cadre de notre plan quinquennal 2020-2025, nous avons le cinquième et dernier axe stratégique qui est en fait la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Et à ce titre, nous avons engagé des actions pour l'environnement et pour l'insertion. Donc on est tout à fait dans les objectifs de ce club et donc on souhaite décliner localement des actions au bénéfice de l'insertion en Indre-et-Loire. Vous avez déjà quelques idées, quelques résultats ? Oui, on pratique, je dirais, nous avons lancé des actions depuis déjà de nombreuses années dans ce domaine. Par exemple, il y a l'accueil des élèves de 3e hein, pour les stages d'entreprise. Donc c'est des choses que nous organisons déjà et que nous allons développer avec l'appui du CREPI hein, qui pilote ce plan d'action. Nous embauchons des alternants. Hein, nous avons une politique d'embauche qui privilégie beaucoup l'alternance et puis les gens qui suivent
les parcours de contrats de professionnalisation, donc qui visent à embaucher des jeunes qui, par exemple, ont été un temps éloignés du système scolaire et qui reviennent, je dirais, dans le système éducatif par des formations de rattrapage, de remise à niveau. Ouais. Et donc, on est tout à fait ouvert à ce type de profil. Au titre de l'insertion, nous développons depuis maintenant 2 ans ce que l'on appelle des ateliers numériques qui visent à donner un minimum, je dirais, de connaissances sur le sujet en fait, du numérique, du digital, les premiers pas sur Internet, comment j'utilise le mail, comment je vais naviguer de manière, je dirais, sûre sur Internet, comment j'assure que quand je communique sur les réseaux sociaux, je le fais, je dirais, en faisant attention à ce que je raconte, en faisant attention à mon image numérique. Et donc, nous mobilisons nos salariés autour de ces problématiques, je dirais, de formation un peu initiale au numérique, de façon à aller former une partie de la population aujourd'hui qui est éloignée du numérique. Ça pèse environ 20% de la population. On a parlé pendant très longtemps de l'illettrisme, et maintenant on parle d'électronisme pour toutes ces personnes qui, malheureusement, n'ont pas les bases nécessaires pour faire des choses qui deviennent aujourd'hui tout à fait naturelles et pour lesquelles, si on ne les maîtrise pas, on va se retrouver un petit peu exclu de la société. Voilà, donc on développe donc ces ateliers numériques à destination de ces personnes en situation d'électronisme grâce à nos salariés volontaires. Et comment vous le faites savoir? Vous déplacez dans les villages, dans les quartiers pour... Alors on s'appuie notamment sur des associations d'insertion, et c'est le cas avec le Crépy Touraine qui a accepté donc d'accueillir plusieurs ateliers donc en 2021. Et nous poursuivrons, nous l'espérons, donc avec le Crépy ou d'autres associations d'insertion installées sur la place de Tours en particulier. D'accord. Ah, merci.